Les voitures, c'est bien. Yo, tout le monde, c'est Toto. Pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler du temps. Et des commentaires aussi. Comme vous voyez. Donc, on va commencer par les commentaires. J'ai reçu, là, à l'instant, tout de suite, que. Un mec m'a envoyé un commentaire comme quoi il m'a marqué arrête tes vidéos mon pote t'es cinglé. Donc moi j'ai répondu écoute écoute-moi toi déjà je fais ce que je veux sur mes vidéos, t'as pas à me dire quoi faire. Et déjà si tu crois vraiment que je vais arrêter YouTube, je vais pas arrêter YouTube hein. Non, c'est moi qui décide si j'arrête YouTube ou pas. Donc déjà ce message, je vois pas pourquoi il me parle si c'est pas abonné à ma chaîne. Donc je vois pas pourquoi il me parle, donc il a pas à me parler. Ceux qui ont rendu pareil, ceux qui m'aiment bien, ceux qui s'abonnent à ma chaîne, puis voilà. Donc, comme Jerry par exemple, lui, je sais pas s'il s'abonne à ma chaîne, mais lui, il peut me parler s'il veut. Parce que Jerry, moi j'aime bien Jerry, c'est un chasseur fantôme que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup même. D'ailleurs, je te remercie Jerry, si tu me vois en ce moment que la vidéo, je te remercie pour ce que tu m'as dit sur YouTube quand je te demandais si tu pouvais visiter Château-Fougeray ou Tamoncade. Tu m'as dit d'aller voir si tu pouvais le faire, donc si tu peux jamais, si jamais tu peux pas le faire, bah tu me retiens au courant. Si jamais tu peux le faire, tu me retiens aussi au courant, et si tu peux le faire, bah ça serait cool. Parce que tes vidéos, je les regarderai dès qu'ils sont sortis sur YouTube, et puis voilà. Donc voilà, parce que je t'adore, je te kiffe, t'es en fait comme mec, enfin voilà, t'es un chasseur fantôme que j'adore, que je kiffe très bien, que j'aime bien. T'es mieux que Gus, parce que Gus, il a révélé qu'il avait menti en fait au niveau de sa moncade. Il a révélé la vérité, il avait dit qu'il avait menti, que c'était lui qui avait fait un montage vidéo comme ça parce qu'il voulait pas. Il a. Je sais pas ce qu'il a fait en fait, il a dit ouais, faut qu'il y ait plus de sensations que ça. Ok, d'accord, donc ouais, on est tous déçus. On comprend tous que voilà, on voulait pas qu'il mente, mais il était obligé de mentir. C'est pas grave, parce que moi il est bête. Mais il est bête, mais enfin il est pas bête, mais voilà, c'est qu'il a menti, il a pas dit voilà. Il sait même pas pourquoi lui-même il a fait ça, il a dit sur sa vidéo qu'il sait pas pourquoi il a fait ça. Bah il dit qu'il veut aider ma mère à se pardonner, mais moi je le pardonne, c'est vrai. Mais voilà, c'est parce que. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'adore Jerry. Jerry, lui il a rien à dire, c'est vrai que lui c'est mec là, il est impeccable. Impeccable, c'est sûr. Comme la fille là qui fait ses vidéos, qui s'adore RQM, elle aussi j'aime bien parce que ses vidéos, elles, ils sont bien aussi. Hein. Oh là là. Je les ai tous vus, ils sont très bien. Comme Jerry, hein, tes vidéos, toi aussi, tous, je les ai tous vus. Hein. J'ai adoré tes vidéos parce qu'ils sont très bien faites. Ils sont trop bien, ils sont bien. Je les kiffe. Comme tous, comme toutes les vidéos de tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est les vidéos, sur YouTube, j'adore ça. Et j'adore en faire aussi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai bien voulu. Je me suis dit merde, putain, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ferais pas de vidéos? Je me suis dit bah faudrait peut-être que je fasse des vidéos sur YouTube moi-même. Et puis voilà, je suis arrivé à faire ça. Mais ce mec qui m'a dit arrête tes vidéos mon pote, non mais déjà d'une je suis pas ton pote et de deux j'arrête pas mes vidéos. Hein. Je viens de vous dire que j'arrête pas mes vidéos à faire sur YouTube, j'arrête pas. Non, je continuerai à faire mes vidéos. Donc je vous tiens au courant que ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous mes amours, je vous adore. Puis voilà. Donc voilà. Donc maintenant on va parler du temps. Donc en ce moment on sait tous que en ce moment il fait très très chaud, extrêmement chaud. Comme vous pouvez le voir, il fait très très chaud. La nuit, je pense que pour vous aussi c'est difficile de dormir. Comme déjà hier soir, impossible de dormir dans les couettes de notre lit. Hein. Je pense que la personne qui est dans cette pièce avec moi ici est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Hein? C'est pas ça, c'est que hier quand je suis en train de te chercher, je t'ai vu, t'étais pas dans ton lit, t'étais sur ton lit. Parce que j'étais dans la chambre de maman et t'étais pas dans la chambre de maman et t'étais pas dans la salle, donc j'étais dans ta chambre pour dormir. Et je t'ai vu, t'étais là en train de dormir, sur ton lit, pas dans ton lit, c'est pas dans tes couettes. Oui, bah normal, c'est trop chaud, j'ai même pas dormi d'ailleurs. Hein? Ah bon? Mais t'as fermé moins les yeux parce que je t'ai vu, tu fermes les yeux, c'était. Ouais. Bah ça c'est que quand tu fermes les yeux, c'est que tu essaies de t'endormir.
Moi, c'est pas ça, c'est que moi, je sais. Hein? J'entendais du bruit dans la chambre. Alors, j'entendais gueuler, du coup, je crois que c'était quelqu'un. Après, j'entendais taper, je fais oh, il y a un fantôme ou quoi? Ça fait où? Là ou là? Là. Ouais, bah, c'était moi. Bah, je me suis dit, il y a un fantôme ou quoi? Puis après, j'ai senti, genre, un petit machin qui m'avait tiré les cheveux. Ah, moi aussi c'est pareil, parce que tu vois là-bas, l'immeuble de la pile. Là, c'est pas possible, il y a Oh, un fantôme dans la chambre. oh, tu vois le banc là-bas, là où il y a l'immeuble, il y a un petit terrain de d'herbe avec le banc là. J'étais là-bas moi une fois, tu vois, et comme j'ai dit dans ma vidéo, comme je vous l'ai dit encore une fois mes commentateurs, j'étais là-bas, je me le château, et c'est ce que je vois. Je sens comme si on faisait ça, comme si on me tirait sa tête. J'ai tombé une vidéo sur YouTube où c'est marqué, on m'a tiré sa tête. Non mais ouais, je suis à mini-pile là. Une maman m'a dit, parce qu'une fois je dis à maman que à maman elle a peur qu'en fait que j'avais fait mon truc. Maman en fait maman elle m'a dit parce que un truc que je regarde beaucoup des machins d'horreur, de trucs esprits tu vois. Maman elle a peur que j'avais fait entrer à la peur, à quoi j'ai fait entrer dans la baraque. Alors que normalement c'est une forme, faut dire une formule pour faire entrer dans la baraque. Il faut pas dire non plus le jour, faut dire la mini-pile normalement. Dernier Mais pile. toi t'as peut-être une hallucination, enfin une hallucination. Moi déjà, moi tu sais ce que j'ai senti moi cette nuit? J'ai senti J'ai senti qu'on me levait les quoi? jambes. On m'avait tiré vite fait un petit peu les cheveux. Moi quand je t'ai dit c'est ce que je sentais. Je sentais comme si on me levait les jambes et on me laissait tomber les jambes comme ça. C'était à mon nez, oui moi aussi il a senti ça. Il m'a dit. Mais quand on était ici, on a vu un truc, voilà, on a vu quelque chose, William, quand on était petit, mais on essaie d'oublier ce qu'on a vu. Tu as bon moyen parce que quand on était amené, moyen, quand on était petit, on avait un truc, mais on essayait de plus en penser à ce qu'on a vu. On avait un truc que personne ne peut voir en fait. Voilà. Un fantôme, mais la magie, là, je sais pas. Ouais, on avait quelque chose comme ça, voilà. De la magie. On avait une dame magique qui marchait comme ça, avec sa canne, à travers ses couloirs. Elle passait à travers la mur. Mais moyen, on essaie d'oublier ça, parce que voilà. On a pu penser à ça. C'est quelque chose que personne ne peut croire. Donc voilà. Donc si vous aimez cette vidéo mes amis, vous likez, vous abonnez à ma chaîne et marquez un commentaire. Allez, peace tout le monde.